让贝尔纳·惠普曼是钢琴师，作为艺术家的他以犀利而敏感的感官和视觉来挖掘神韵的不同反响。他觉得神韵中中西方乐器的合并使用以及舞台的背景与演员之间的默契令人惊叹。Je trouve que c'est extraordinairement fait parce que la musique occidentale elle permet de dresser une sorte de décor et la musique chinoise elle sert le folklore et la tradition et l'histoire chinoise et donc l'un étoffe l'autre, c'est-à-dire elles sont complémentaires, parce que la culture occidentale, la musique occidentale fait que on a une masse sonore qui est très importante, et par-dessus ces instruments chinois qui sont vraiment traditionnels se posent et racontent l'histoire. Et pour moi, c'est vraiment très très bien fait cette juxtaposition des deux matières sonores orchestrales de l'un et de l'autre. Ce mariage vraiment est très réussi, et la danse par-dessus le synchronisme et le professionnalisme. Des danseurs, c'est vraiment fabuleux. Les couleurs, le choix des étoffes. Les étoffes, c'est formidable parce que ça crée un mouvement. Et ce mouvement, il est géométrique, il fait des figures et il allonge la danseuse ou le danseur. On a l'impression que c'est une continuation du geste et ça parle, ça c'est émouvant. 让贝尔纳·惠普曼也被神韵传达的信息所折服。Parce que je trouve que c'est une philosophie extraordinaire, un respect malheureusement qu'on trouve plus chez nous occidentaux. Et moi-même qui suis enseignant, je trouve que ce sont des valeurs que vous véhiculez à travers le bouddhisme, qui sont des valeurs de respect, de morale, d'éducation, de tradition.Qui nous manque maintenant à nous. Et moi, je suis très friand de ça et très heureux de voir ça. Et j'aimerais bien que nos enfants, nos élèves, prennent exemple sur tout ça. C'est vraiment important. Et donc, ce que vous véhiculez comme valeur, je pense que c'est vraiment très important de nos jours. 新唐人记者任静，法国巴黎采访报道。